Je ne suis pas aidant familial. Pourtant, il y a de grandes chances que je le devienne un jour. En France, il y a 11 millions d'aidants familiaux. Dans le département de l'Aude, un collectif d'associations et d'institutions emmené par l'UDAF a créé le CIAF. Ils m'ont confié un livre écrit par Marc Ventura, un kiné à la retraite. Un livre qui s'appelle « Aider les aidants ». C'est un guide pratique pour éviter la fatigue, les risques de lumbago, de tendinite et même de chute quand on manipule les personnes vieillissantes ou en situation de handicap. Alors j'ai voulu aller voir comment ce bouquin était perçu par les aidants. Pour ça, j'ai demandé à Pauline Aubagnac, qui est ergothérapeute à l'APF de l'Aude, de me faire rencontrer une famille qu'elle accompagne. Nous sommes à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, c'est un petit village à une trentaine de kilomètres de Carcassonne, juste à côté de Limoux, le pays de la Blanquette. Et nous avons rendez-vous avec Nathalie et la famille Labotte. Bienvenue dans le premier numéro du magazine des aidants de l'Aude. Troisième. Alors ce livre. Alors Monsieur Labotte, c'est lequel que vous allez faire quelle démonstration ce jour? Je crois que le but c'est que tu fasses CLE quand tu l'as mis sur le lit. Ce qu'elle appelle une forme latérale parce que je ne sais pas les faire. Vous allez nous faire la démonstration des fentes latérales? Moi je trouve que quand on est comme ça, on n'a aucune force. Le but c'est d'éviter ça, Monsieur Labotte, à tout prix. On garde le dos relativement droit et on plie les jambes. Oui, mais tout ça, j'en suis persuadé. Mais il faut avoir une pratique, il faut avoir l'habitude de le faire. Et moi, je n'ai pas cette pratique. Je le fais à ma façon, je ne sais pas. C'est pour ça qu'entre la théorie et la pratique, je ne suis pas observé quand je force comment je fais réellement. Les sangles là, de rehaussement, ça, c'est inutilisable pour nous. Coussin de rehaussement. Ça, par exemple, je ne vais pas le faire. Ça, je ne sais pas le faire. Quand elle est mal placée dans le fauteuil, je suis incapable de la remettre en place comme il faut. C'est un point mort. Mais ça, vous ne pouvez pas, parce que vu le fauteuil qu'elle a, Nathalie, ce n'est pas possible. Voilà. Je n'arrive pas à la remonter. Il faut qu'on soit tous les deux, qu'on la prenne et qu'on... Mais ça on peut le faire, celui-là aussi. Parce que ça, Monsieur Labotte, quand vous la remontez, Nathalie, vous êtes obligé de plier les jambes pour la remonter. Il ne le fait jamais, ça. On va faire celui qu'on a fait la dernière fois, le rehaussement au lit. Et si vous voulez, et si Nathalie aussi en forme, la basculer sur le fauteuil. Vous allez voir. Je sens qu'on va avoir de jolies fentes aujourd'hui. J'étais à la télé. Elle a besoin d'avoir une présence dans une télé. Souriez, parce que le monsieur est en train de prendre une photo là. Il y a ce fauteuil parce que tous les soirs, ma femme se met avec elle pour lui tenir compagnie. Et elle regarde la télé avec et elle passe jusqu'à des fois à 11h le soir. Sans jamais toucher. Alors ici, j'incline un tout petit peu, je bloque des automatismes. Ma petite Nathalie, on te filme, tu vas m'appuyer les pieds. Alors là, je ne suis pas trop d'accord, on va sur la voiture brune. Il le met des fois, il est bas, j'ai dit tu le mets trop bas lui. Pourquoi vous le mettez à cette hauteur, monsieur? Moi, je trouve qu'il le met trop bas. Il faut qu'elle... Parce qu'elle ne pose pas les pieds. Voilà, il faut qu'elle... Elle ne les posera pas. De toute façon. Allez, je fais comme je fais. Oui. Elle n'a pas les chaussures. Et après, on le fait de manière plus conventionnelle. Allez, tu plies les jambes, Nathalie? Tu plies la jambe? Super. Et haut. Et d'habitude, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu le fais. Elle a posé les pieds. Elle a posé les pieds. C'est une coquine. Vous êtes un menteur, monsieur. C'est une coquine. Allez, viens. Toi. Je suis là. Voilà. Viens là. Il faut que je l'aide, moi. Alors, je suis là, je fais ça. Hop. Et vous avez un peu plié les jambes. Oui, un peu. Vous l'avez moins porté que la dernière fois. J'essaie. Mais il s'est quand même passé quelque chose, même, la botte. J'ai coupé. Je l'ai pas regardé. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai fléchi. Voilà. Sauf que je trouve que, étant donné que je suis obligé de lui bloquer les genoux, quand je fais ça, je ne suis pas tout à fait au niveau du fauteuil. Mais en fait, monsieur Labotte, ce qui est expliqué dans le livre, fléchir les jambes, c'est bien, mais il y a deux mouvements qui sont interdits, enfin, qui sont déconseillés pour le dos, c'est celui-là, et la rotation. Je suis bien obligé de la... Donc, on fléchit pour la prendre, on fait la bascule de proie, on pivote, on la repose. Mmh. Moi, je redresse le dossier, monsieur Labotte, parce que je fais du assis-assis. Hop. De quoi? Attention qu'elle vous glisse, hein. Vous inquiétez pas, je mets mes jambes devant.
Elle est en train de partir, là. Monsieur Labotte, je l'ai devant, ok? Bon, la moins bien fait que la dernière fois, hein, pour la corde. Pauline. Vous allez vous faire mal au tout. Vous allez vous faire mal. Si vous ça voulez. Va, Nathalie? Oui. Non, 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 stop! Ah, mais là, vous voyez bien que... Ah, monsieur Labotte. Je la remets comme ça? Oui. Ouais. Elle va la remonter. Alors, c'est là pour la remonter. Comment vous faites la scie? Si j'ai mes pieds là, on est d'accord qu'elle ne peut plus glisser. Oh. Oui, mais vous allez y arriver. Je vais remonter là comme ça. Mais comment vous voulez qu'elle glisse là? Mais quand vous allez reprendre, enfin, allez-y, faites. Ok. Moi j'ai peur que vous fassiez mal. C'est le comble, c'est les dents qui. La bascule à l'avant, ok. Et je pousse avec mes jambes pour la remonter. C'est pas évident quand même, hein. Ça vous plaît pas? Si, mais. J'ai pas dit que ça me plaise pas, mais là elle est prête à glisser. Mais d'où? Oh, du fauteuil, elle se laisse aller. Hein. Il n'y a rien qui ne retient pas du tout, faut pas croire. Hein. Oui, mais après vous la basculez. Et pour la repasser. Alors, j'aimerais, Pauline, qu'on vous fasse voir. Marie-Thérèse. Alors, moi, je ne la. Vous voyez, je ne vous cache pas. Et franchement, oui, oui. Je ne vous la laisserai jamais dans cette position. Hein. C'est-à-dire, je la mettrai toujours au minimum. Mais là, je peux, monsieur Labotte. Mais comment je la remets sur le lit si elle ne touche pas les pieds au sol? Oui, mais j'ai trop peur qu'elle glisse et qu'elle tombe. Parce que là, moi, je ne peux pas la mettre au lit si le fauteuil est comme ça. Oui, mais moi, je le lis, mais. C'est pour ça qu'il râle après moi. Redressez-la, monsieur Labotte. Attendez, non, d'abord je voulais vous demander quelque chose, Pauline. Oui. Si tout dans le livre il y a marqué que de par derrière on peut faire reculer la personne sur le siège. Oui. Comment on fait là avec un fauteuil? Vous ne pouvez pas parce que vous avez le dossier qui est beaucoup trop. Pardon? Vous ne pouvez pas. En fait, c'est le livre. D'accord, c'est pour ça que. C'est un dossier qui arrive à ce niveau-là. Ah, voilà. Donc en se mettant derrière, je peux. Mais là, en fait, ça me gêne. Par contre, si on veut la redresser. À deux, on peut. Ah oui, alors on a 16 ans de faire deux. C'est Marie-Thérèse, viens faire voir comment on fait. Mais attendez, on le fait ensemble, monsieur Labotte. En plus, une magnifique fente. Il bloque là, elle est bloquée là. Là, plie les jambes. Allez, pliez. Ok Non. Quoi? Pliez les jambes. Allez. Regardez-moi. Comme ça, regarde de droit. Regardez-moi. Oui. Un, deux, trois. Et voyez, on fait ça. Ça vous plaît pas? Il est pas convaincu. Je préfère que ce soit elle. Pourquoi? Parce que pour moi. Ça va aller plus vite. Elle est plus costaud. Oui. Je suis plus costaud. Non, mais regardez, là, si on se regarde, on n'est pas comme ça. Et il force vous verrez ça. Je sais qu'il force. Nathalie, on te remet. Souris. Alors, là, vous allez pas être dessus. Hein. Je te laisse faire. Le déjà, monsieur Labotte, vous redressez le fauteuil, ce que vous n'aviez pas la dernière fois. Vous ne l'avez pas incliné. La dernière fois, vous l'aviez incliné. Et oui, je l'ai incliné parce que j'ai peur qu'elle me glisse et qu'elle parte en avant. Il m'est arrivé une paire de fois que le fauteuil était en avant et le temps que je fasse. Donc, elle était par terre. Mais là, si vous mettez les genoux là, elle ne peut pas tomber, on est d'accord. Vous êtes devant, quoi. Mais oui, il vous verra toujours pareil. Hein. Ça, j'en ai pas d'avis. Nathalie, tu viens? Là. Et alors là, il commence à crier. Aide-moi! Aide-moi! Là. Ah, bon, c'est pas ajouté. Et c'est là. Parce que c'est là qu'il l'achète. C'est là que, automatiquement, je jette. Ah, je ne sais pas comment vous faites entre moi, mais moi, je ne sais pas. On essaye de le faire en douceur, Nathalie. On le fait toutes les deux. Ça vous va? Vous savez, Pauline, pour avoir les réflexes, tout ce que vous faites, je l'ai déjà dit, il faut avoir un apprentissage, une pratique. C'est comme de tout. Hein. C'est là. Une fois qu'on a pris un réflexe, c'est bon. D'accord. Parce que lui, il m'a fait tout. Moi, je le baisse. Hein. C'est, vous savez pourquoi? Parce que sinon, elle glisse dans le lit et qu'après, on est obligé, pour remonter la laisse, on est obligé de la remonter à elle, ça fait double effort, quoi. Sauf que si elle est couchée, monsieur Labotte, moi je force plus parce qu'il faut que j'accompagne son buste si je ne la jette pas. Hein, Nathalie, si on le fait en douceur, il faut que j'accompagne son buste beaucoup plus bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, j'attends que vous l'ayez fait, après je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est pas trop mal après vous, Nana. Mais de toute façon, si je le monte trop, je vais l'asseoir au bord du lit. Là, pour le coup, j'ai pas le choix parce que plus il va être haut, plus je vais l'asseoir au bord du lit. Ok? Nathalie, je vais passer les mains. Alors moi,
Bon, jusque-là, monsieur Labotte, ça va? J'ai les genoux pliés. Oui, ben moi, je ne sais pas. On aurait dû lui forcer avec les genoux pliés comme ça, ça me paraît beaucoup plus difficile. Allez. 2, 3. Et ouais. Ça va? Tu as compris pourquoi on fait ça? Ça va, Nathalie? Fais chier, il y avait la main si ça va. Si c'est oui, c'est que. Eh. Ok. Ok. Nathalie, qui c'est que tu préfères qu'il le fasse? Papa ou la dame? Papa ou Pauline? Papa ou Pauline, tu fais. Il parle de même. Pauline. Bon, après, en vérité, les transferts avec Nathalie, ce serait le lève-personne tout le temps pour pas se faire mal. Je la lève avec le lève-personne et c'est vrai que ça aide beaucoup, ça, quand même. Heureusement qu'on l'a, ça. Hein. Parce que j'ai pris l'habitude et j'ai vu comment on positionne le fauteuil pour pouvoir, pour qu'elle soit bien. Ouais. Bon, c'est vrai que je force parce qu'il faut que je manipule en même temps le fauteuil, que je tienne l'autre pour qu'elle soit bien enfoncée. Et, mais bon, j'ai... Et ce qui est rigolo, c'est que vous, ça vous aide et vous, le lève-personne, vous n'aimez pas l'utiliser. Non, c'est... attendez. Elle ne sait pas l'utiliser. Elle a 90%, oui. 80% mais parce que du je suis rôle. Là avec les auxiliaires. Oui. Elle y est avec les auxiliaires le matin et moi, mon rôle, c'est le soir. Oui. Je suis avec elle, je n'ai pas dit qu'elle n'y était pas. Hein. Oui. Mais en fait, quand je fais mes mouvements, je les fais seule. Oui. Puis moi, je fais en force. Il fut un moment, un temps où elle voyait qu'on forçait la pauvre. Elle essayait de nous aider, mais je pense profondément elle-même. Alors, oui. Elle dit rien, mais elle doit en souffrir de voir que. Glissez la main sous l'omoplate. Ne prenez pas l'épaule. OK? Juste un appui. Là, monsieur Labotte, vous fléchissez votre jambe gauche. Faites une belle... Fléchissez. Fléchissez la jambe gauche. Ok, regardez-moi. Oui. Regardez-moi. Oui. On va faire ça. Ouh, ça me... Allez, regardez-moi. Allez, on y va. Regardez-moi. Oui, allez. 1, 2, 3. Non. Ok. Non. Quoi, non? Non, j'ai l'impression de davantage forcer sur le dos, d'avoir que je suis pas souple, quoi. Si je fais comme je fais... Je sens, j'ai l'habitude de mon dos et je le contrôle. Et quand vous me faites fléchir les jambes, si vous voulez, je ne ressens pas les mêmes sensations. Alors on va voir que choc est justement dans le livre qui est très bien indiqué. Oui. On nous dit que c'est très fragile, qu'il faut faire attention ici. Moi je l'ai, oui. Pour... Alors on peut faire voir comment on fait, parce que nous on n'est pas fragile, vous allez voir. Comment on fait quoi? Marie-Thérèse. On se dit tous les jours. Je le fais avec vous. Comment vous allez faire, vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? On va vous faire voir comment on fait, nous, d'abord. Non, pas... Allez, tu y es. 1, 2, 3. Et voilà comment on fait. C'est là, hein. Alors, dans le livre, par exemple, ils disent qu'ils n'envisagent la situation que d'une personne seule qui met la barrière au cas où la personne tombe de l'autre côté. Oui. Donc, pour nous, ce n'est pas utilisable, puisqu'on a toujours deux. Avec le livre, on a appris qu'il fallait dérouler le dessous, tandis que moi, je tirais comme ça tout. Tandis que là, en déroulant le dessous, ça permet... Il faut que ce soit comme ça, tout le temps, l'ouverture, comme ça, hein. Oui, comme ça, hein. Mais non, comme ça, parce que là, on veut la glisser dans le sens. Oui, pour la glisser dans le sens. Parce qu'elle veut la mettre comme autrement, l'auxiliaire. Donc, je lui ai mon pote, c'est moi qui lui ai appris. Alors... Moi, je le mettrais, le point, c'est qu'elle est déjà en mouvement. Je tire. Là, comme ça. Sous les omoplates et sous les fesses, parce que c'est ça qui mais frotte. Mais attendez, votre objectif, c'est de la descendre ou de la monter là, de la descendre et de la monter, parce que là, elle est déjà d'accord, en mouvement. D'accord. Ouais. On fait glisser. Là, le attrape ici. Ah, voilà, près d'elle. On fait glisser vers le bas. Oui, allez, allons-y. 1, 2, 3. On la remonte? Vous avez forcé là, non? Non, je ne me rends pas compte. Allez, 1, 2. Voilà, et après pour la lever. Non. Ça, je n'arrive pas à faire. Lâchez. Ah, il faut mettre la main jusque là-bas, de par-dessus? Oui. Voilà. Ah d'accord. Alors moi je croyais qu'en me faisant coulisser comme ça, ça arrivait pareil. Je reviens à ce livre.
Je trouve que c'est très bien, très très bien, du point de vue formation physique, prise en charge des appareils, etc. Mais il manque une partie qui est essentielle, c'est comment les, et ça peut-être ça ne peut pas se vérifier, comment les gens évoluent dans leur tête. Je sens que ma vie, mes projets, s'est réduite au fur et à mesure qu'on s'est conditionné avec la vie de Nathalie. Comme on est dans ce milieu toute la journée, toute la journée, on a l'impression des fois qu'on aurait besoin davantage de, je sais pas, de soutien moral, de soutien... Oui, c'est... Et là, on se demande qui peut, honnêtement, qui peut aider. Pour aller plus loin à propos de ce livre, nous avons rencontré son auteur, Marc Ventura. Le lien vers son interview s'affiche... là-haut, à peu près. Vous retrouverez aussi tout en bas, dans le descriptif de ce magazine, le lien. Il suffira de cliquer dessus pour pouvoir la visionner. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'informations sur les aidants familiaux, tellement qu'on peut avoir du mal à s'y retrouver. Alors, à la fin de chaque vidéo, je vous proposerai une petite sélection de ce que j'ai retenu pour vous sur Internet ou ailleurs. Aujourd'hui, je vous conseille un site... bien fichu, ma foi, Ma Boussole Aidant. C'est un site qui vous permet de trouver des aides de proximité grâce à un système de géolocalisation. Vous pouvez aussi évaluer vos droits et lire des témoignages d'aidants. Et puis, dans la lettre d'info de l'espace senior du Carcassonnais, j'ai vu qu'il y avait un atelier d'information et de sensibilisation à la compréhension de la maladie d'Alzheimer, spécialement pour les aidants. C'est une des pathologies qui nous laisse souvent particulièrement démunis quand elle touche nos proches et je pense que cet atelier qui est organisé par l'association France Alzheimer est assez intéressant. Bien sûr, je vous mets les liens de toutes ces informations dans la description de la vidéo là tout en bas. Merci d'avoir regardé ce premier numéro du magazine des aidants de l'Aude jusqu'au bout. Vous savez qu'on a fait une découverte incroyable. Les aidants de l'Aude ont les mêmes problématiques que les aidants bretons, du nord de la France ou de l'Est. Alors, comme on sait que beaucoup d'aidants n'accèdent pas à l'information, partagez cette vidéo, faites des commentaires, proposez même des suggestions. Notre volonté est de vous donner la parole à vous, aidants familiaux, et de traiter les sujets qui vous sont essentiels. N'hésitez pas, vous pouvez nous les suggérer en laissant un commentaire là, tout en bas. Merci à l'UDAF et à l'APF de l'Aude qui ont porté ce premier numéro et au collectif du CIAF. À bientôt.